de plaisir Aujourd'hui, de vous retrouver pour une nouvelle série de guidances qui s'intitule Messages des sorcières de la littérature. Alors que je furetais dans des librairies de ma ville, je suis tombée nez à nez sur un livre qui m'a immédiatement téléportée au temps de jadis où j'étais étudiante en lettres. Et cerise sur le gâteau, le livre contenait trois autrices qui ont marqué ma période d'étudiante. J'ai nommé les sœurs Bronté et Toni Morrison que j'avais découvertes dans Beloved un roman admirable, une poétesse que je conseille à tous les amoureux de la poésie. Je pensais que la synchronicité s'arrêterait là quand je me suis rendu compte qu'un oracle existait. Je l'ai donc commandé et aujourd'hui je vous propose de découvrir ou de redécouvrir avec moi 30 sorcières de la littérature du monde entier. Pour ancrer en cette review, au thème de la chaîne, je vais rajouter des oracles et des tarots de sorcières et ainsi chaque semaine ou toutes les deux semaines du moins je l'espère, je vous délivrerai des conseils et des messages de ces écrivaines. Vous pouvez aussi découvrir les jeux dans les reviews prévu à cet effet. Je nous souhaite à tous les amoureux de la littérature un fabuleux voyage. Pour ma part, c'est avec une grande émotion et une grande joie que je partage ma madeleine proustienne en espérant que cette dernière soit contagieuse. Partagez cette vidéo avec tous les amoureux de la littérature. Je vous remercie par avance pour votre générosité. Poussière de lune. Les jeux sont faits, je le répète, j'ai fait un vœu, il se réalisera si Emily Brontë ou Toni Morrison sortent. J'entends le mot pomme. Faites un vœu vous aussi. Ah <laughs> Elle est sortie. <laughs> je suis trop 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 contente. Et comme promis, voici la pomme. <laughs> Je vais vous lire maintenant le texte du livre. Émilie Bronté, romancière britannique recluse, 1818-1848. Gardienne des Landes, du fantastique et des romances douloureuses. Émilie nettoie sa maisonnée comme si elle s'apprêtait à accueillir Heathcliff en grande pompe. Heathcliff, euh, je précise que c'était euh, son ami d'enfance et puis c'est devenu euh, l'amour de sa vie. Très très belle histoire d'amour. La lande se transformera en tapis de velours que fouleront ses pieds délicats et quand il passera la porte, se plaît à rêver la jeune fille, il balayera tout sur son passage comme ce vent du nord qu'elle affronte en promenade, les muscles tendus. Les poings serrés sous son manteau. Que murmurent les fourmis à Émilie lorsqu'elles gravissent les arbres déguenillés au dehors La jeune fille colle son oreille à leur tronc et écoute les confidences de l'écorce. Tu rejoindras notre palais, tu seras la reine des fourmis, tu dresseras une armée entière contre les fourmilières ennemies. Émilie les regardera se battre par honneur et par amour. Émilie se fabrique un télescope de glace. Par la lentille creuse, elle sonde sa propre pupille et plonge dans une toute autre galaxie jusqu'à croiser un regard inconnu. Émilie Bronte a vécu une vie bien rangée dans le presbytère familial au milieu des landes de bruyères du nord de l'Angleterre. Une vie sans histoire Non. Si elle occupait souvent ses journées par des tâches ménagères et de longues promenades sur les collines, son esprit résidait ailleurs. Avec ses sœurs Charlotte et Anne, dont l'imagination était tout aussi fertile, elle voyageait dans les contrées fantastiques du royaume de Gondal, mais Émilie eut à peine soufflé sa trentième bougie que la tuberculose l'emporta soudain. Son seul et unique roman, Les Hauts de Hurlevent, rencontra un immense succès après sa mort tragique et prématurée, léguant à la postérité deux âmes esselées, celles de Catherine et Heathcliff mue par une passion cruellement orageuse. Conseil de lecture, une histoire d'amour tempétueuse, Les Hauts de Hurlevent, traduit par Frédéric Delebecq. Poèmes écrits par les trois fées Bronté sont des pseudonymes masculins. À voir, le film Les Sœurs Bronté, sorti en 1979, d'André Téchiné avec Isabelle Adjani dans le rôle d'Émilie. Je vais interpréter ces trois cartes, mais vous pouvez vous aussi de votre côté laisser libre cours à votre intuition. Immédiatement, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la pomme de la discorde. Je rappelle brièvement que cette expression tire ses origines de la mythologie grecque. La déesse de la discorde, n'ayant pas été invitée au repas de noces de Pelée et de Tétis, voulait se venger de cet affront. Et pour ce faire, elle s'invita à la fête et jeta au milieu des invités une pomme d'or sur laquelle était inscrit à la plus belle. Bien sûr, cette pomme d'or sera la cause de la guerre de Troie. Je rappelle aussi que la pomme d'or était considérée par les Romains comme un symbole d'immortalité, de sagesse, de pouvoir suprême. La pomme d'or symbolisait la terre, elle symbolisait le soleil, elle symbolisait le pouvoir. Et bien sûr, dans la chrétienté, la pomme est le symbole de la connaissance du bien et du mal, c'est aussi le symbole de la tentation. Dans le guidebook, on relie la pomme à trois mots clés qui sont le sexe, la faim et l'essence. Le couteau est relié au conflit, à la résolution et à l'intention. Sur un plan intuitif, je ressens qu'Émilie Bronté vient nous mettre en garde contre une situation d'ordre professionnel ou sentimental qui nous ronge et qui nous tiraille. Je ressens de l'hésitation, je ressens de la peur, de la frustration aussi, une colère sourde contre soi, une colère sourde contre les événements de la vie, qui nous conduit à un immobilisme. J'ai l'impression que l'on est coupé en deux, en désaccord, en déséquilibre avec nous-mêmes à cause d'une situation extérieure qui nous échappe, que l'on n'arrive pas à contrôler ou que l'on n'arrive plus à contrôler. Soit à cause d'une relation sentimentale, comme dans le roman d'Émilie Bronté, soit parce qu'on est en porte-à-faux vis-à-vis d'un travail. Dans tous les cas, je ressens, je ressens qu'Émilie Bronté nous invite à couper un lien toxique. Ici, avec ce couteau et cette pomme, elle nous demande de clarifier une situation et de trancher, car si la situation continue à stagner, nous allons certainement avoir des problèmes de santé. Bien sûr. Vous êtes libre d'interpréter le message différemment et de vous orienter sur un aspect beaucoup plus sexuel. Mais moi, je ressens ici que c'est la santé avec la pomme qui est mise en cause et qu'il faut assainir une situation avant que cette situation ne dégénère. En clair, selon moi, il nous est demandé ici de rééquilibrer nos énergies, surtout le chakra du plexus solaire qui comporte le deuxième cerveau. Et on nous demande d'être plus animal, plus instinctif, moins dans le mental, et ainsi nous arriverons à faire le bon choix. Écoutons plus nos tripes que notre cerveau et nous retrouverons ainsi une paix intérieure. Ici, on m'envoie l'image du verre dans la pomme qui, insidieusement, nous grignote de l'intérieur jour après jour. Il y a vraiment une situation malsaine. Coupez la pomme, décortiquons notre pensée et tuons la racine du mal. Tel est le message que je perçois. Et si je vais même au bout de ce message et que je laisse aller mon côté humaniste du verso et que je transpose cette situation sur le plan Mondiale, je vois clairement une volonté universelle de vouloir préparer la paix, de mettre fin à ces guerres intestines, à crever l'abcès une bonne fois pour toutes, et à rééquilibrer les droits de chacun, d'enrayer autant que faire se peut les inégalités causées en ce bas monde depuis des siècles et des siècles. On me dit que le nerf de la guerre. Ici, c'est l'argent et que l'homme a perdu le sens de la mesure, un peu comme Heathcliff dans le roman d'Emily Brontë qui est aveuglé par son désir de revanche sociale, de vengeance et d'enrichissement personnel. Cette pomme rappelle à l'humanité le péché originel. Elle est comme une mémoire symbolique de toutes les erreurs commises par le passé. Et Emily Brontë nous demande de réharmoniser nos cœurs à l'unisson, de réharmoniser notre ying et notre yang, de semer l'amour plus que la haine, la colère et de ne surtout pas se laisser guider par le désir de la vengeance. Donnons-nous la main, unissons-nous tous pour une cause noble et nous gagnerons la paix. Voici le message que je perçois avec ces cartes. Le conseil suivant est issu de l'oracle Histoire de sorcière. Ici, on peut voir un chaman qui prend une pause pour se recentrer et reprendre des forces avant de surmonter tous les obstacles. On nous invite ici à constituer un petit rituel avant de quitter la maison pour affronter la journée qui commence. On nous invite au recentrage, au calme, à la méditation, à se reconnecter à la force tellurique à l'aide de notre chakra racine, de reprendre contact avec la réalité, avec notre terre mère, de se reconnecter aux choses simples de la vie pour retrouver notre joie intérieure et notre paix intérieure, apaiser le mental les discordes. Ces deux mains tendues sont une invitation à l'union, à la réconciliation. Le 4, c'est le chiffre de la stabilité, de la sécurité. Retrouvons nos valeurs essentielles, tout simplement. Une fleur qui pousse dans un endroit insolite, c'est ça la magie de la vie. Arrêtons de courir après le temps et reprenons le temps de se reconnecter à notre soi intérieur. Le prochain message est extrait de l'oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez. Je tire ici pour nous la rune Raido. Cette rune correspond à l'énergie de la roue, du chariot, du mouvement, de la progression, de l'avancement. Elle peut aussi nous parler de justice, de ressentir la nécessité d'opérer un arbitrage pour justement tranché avec une situation toxique. Elle désigne, dans tous les cas, que nous sommes sur le chemin, nous sommes sur la bonne route, nous sommes en mouvement. Mais sans vous mentir, le parcours peut être long. La rune R est au service du structurel, de l'ordre, de l'éthique, de la justice. Au vu de ces quatre cartes, je pense qu'Émilie Brontë nous encourage d'une certaine façon à reprendre les rênes de notre vie. Peut-être avez vous laissé quelqu'un d'autre ou une prérogative prendre le dessus sur vos aspirations profondes. Et là, on nous conseille fortement de nous ressaisir et de nous discipliner. Cette rune parle d'éthique, d'ordre, de justice. Peut-être qu'il est temps de remettre de l'ordre dans notre vie, ou sur un plan plus général d'instaurer une forme de discipline pour enrayer le chaos environnant. Nous sommes sur la voie d'une évolution, dans tous les cas, d'une transformation qui peut engendrer chez beaucoup d'entre nous du stress, de la peur. Mais cette rune, je la ressens de façon positive. De plus, la couleur verte, et c'est la couleur de l'ancrage, de l'espoir, de la guérison. De même, que la pomme éloigne le docteur. Je pense que le message de cette rune rejoint et complète le message du chaman, à savoir que nous devons nous reconnecter à la force tellurique de la Terre, de nos valeurs ancestrales, pour retrouver notre quintessence, mais avec l'aide de la justice divine, plus que la justice des hommes. Émilie nous assure que nous sommes sur la bonne voie, dans la bonne direction. Nous sommes en route vers notre destin. Elle nous invite à entreprendre un trajet qui nous apportera son lot de réjouissances, d'accomplissement et de progression. Et sur un plan spirituel, la rune Raido nous invite à nous ouvrir au monde, à ne pas fermer la porte à ce qui nous environne, sous peine de ne pas réussir à entreprendre notre cheminement initiatique. La rune Raido peut être rattachée au système digestif, donc encore une fois au chakra du plexus solaire, mais aussi aux glandes thyroïdes, ainsi que le système nerveux central. Alors, mais le message principal et essentiel qu'il faut retenir de la rune Raido, c'est qu'elle est là pour nous aider à construire et à parcourir notre cheminement de façon codifiée afin de nous éviter toute forme d'égarement. La rune Raido, c'est un peu notre garde-fou, c'est une rune qui évoque la chevauchée de celui qui entreprend son propre voyage initiatique, qui doit veiller à maîtriser sa monture afin d'assurer sa survie et d'éviter tout déséquilibre. Donc une fois encore, on insiste bien sur l'équilibre, l'ancrage, le recentrage, la discipline, les règles sont autant de qualités et d'outils mis à notre disposition pour réussir notre progression. Le sixième message est extrait de l'oracle des saisons des sorcières. Il est aussi intitulé le Samin ou Sowing Oracle. La saison sombre de l'automne, la saison du scorpion, la saison de l'introspection, la saison où l'on va mettre l'ombre en lumière et où on va embrasser Hadès et Perséphone. Magnifique message ici, je voudrais remercier du fond du cœur Émilie Bronté qui nous envoie la carte de l'intuition. Il est écrit que nous détenons les réponses, nous connaissons la vérité nous-mêmes, nous sommes en contact permanent avec les défunts, avec les ancêtres. Les mots-clés de cette carte sont ressenti, troisième œil et visualisation. Ce qui veut dire que certains d'entre nous ont le pouvoir ou les facultés médiomiques. Waouh Il est écrit que l'intuition est un de nos super... Pouvoir, que certains d'entre nous sont nés avec cette faculté et que notre mission est de servir de guide, de boussole à l'humanité. L'intuition est quelque chose que l'on ressent, c'est un sentiment que l'on ne peut pas expliquer ou que l'on ne peut pas apercevoir de façon tangible. Par contre, je peux vous assurer avec l'expérience que les résultats, eux, sont bien visibles dans la matière. Grâce à ce ressenti, nous pouvons répondre à toutes les questions. Nous savons à qui nous pouvons faire confiance, ce qu'il est bon de manger, et nous connaissons notre avenir. Alors, par rapport à ces affirmations, je me permets, d'un point de vue personnel, d'apporter une nuance, car encore une fois, même si je vous conseillerais toujours de vous laisser guider par votre propre intuition, nous pouvons, et même il est de notre devoir, je pense, de commettre des erreurs. Nous sommes sur Terre pour apprendre, évoluer, progresser. Si nous savions tout sur tout, nous serions sur d'autres plans. La carte ici nous demande à tous de nous faire confiance et de développer notre chakra du troisième œil et notre chakra coronal. Il vous est demandé de vous fier plus à votre intuition, qui est votre GPS intérieur, qu'à votre logique, votre mental, qui peut souvent vous guider vers une mauvaise route ou une stagnation par peur de l'inconnu. Une fois de plus, ici, la carte vous demande d'harmoniser votre ego, votre mental et votre intuition, de sorte d'être aligné et non pas dans une forme de déséquilibre, d'hésitation ou de tiraillement. Ici, l'auteur nous présente une métaphore que je trouve personnellement très intéressante, puisqu'elle compare l'intuition au conducteur et l'ego ou la logique ou le mental à la voiture. Et elle vous dit que les deux sont indissociables pour se rendre d'un point A à un point B. Effectivement, je n'avais jamais envisagé ce problème sous cet angle, mais oui, une voiture n'est rien sans son conducteur et vice-versa. Donc encore une fois, les sorcières vous demandent de vous réharmoniser et de faire corps avec la matière, ce qui nous rappelle le conseil du chaman qui nous parlait d'ancrage. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, franchement, je trouve que jusqu'ici, les messages ont été très... Satisfaisant. Passons maintenant à la septième carte qui est extraite de l'oracle Just Be Witch créé par Karine et Olivier qui ont une chaîne aussi de voyance et que je remercie du fond du cœur pour leur générosité, leur gentillesse. J'ai découvert des gens d'une simplicité avec un talent immense et un cœur gros comme ça, donc un grand, grand merci à eux. Ici, Émilie Bronté nous envoie le fer à cheval. Rien que ça, les amis. <laughs> Ce qui veut dire que la chance va nous accompagner tout au long de la saison de Sewing. Donc, si vous avez des projets, si vous avez des désirs, ne doutez plus, passez à l'action. Desserrez le frein à main, enclenchez la première et partez démarrer le plus dur, vraiment. C'est toujours le démarrage. C'est ça, ça en fait, c'est le déclic, c'est passer à l'action. Donc embrayez, passez la première et ne vous posez plus de questions parce que la chance est avec nous. C'est le moment pour chercher un nouveau job, pour prospecter, pour envoyer des CV, pour chercher une nouvelle maison. Lancez-vous, jetez-vous à l'eau car vous avez clairement l'appui de l'univers. Avant toute chose, je voudrais vous présenter mes excuses sincères pour l'incident technique qui s'est encore euh, opéré. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe, mais euh, quand je filme, ça coupe. Et donc, euh, j'ai continué de mélanger les cartes avec sincérité, croyant que ça filmait. Et malheureusement, vous n'aurez plus la suite des mélanges. Ceci étant dit, le prochain message est extrait de l'oracle. Raven's Wand Oracle de Stephen Hutton. Il se traduit en français par Oracle Baguette de Corbeau. Et Émilie Bronté nous envoie ici la carte qui s'affiche à l'écran, qui s'intitule Donner et Prendre. Encore une fois, on constate que l'on est face à cette ligne de conduite qui nous demande de rester toujours dans l'équilibre. Je prends, je donne. La sorcière de la carte se nomme Ada Crab. Comme nous pouvons l'apercevoir sur la carte, elle est la gardienne de la forêt sauvage de Coven. C'est une dame d'un certain âge. Dans le White Book, on nous dit qu'elle appartient à la catégorie des seniors. Donc, moi, je la classerai à partir de l'âge de 50 ans. C'est une dame qui est réputée pour son franc-parler, pour sa pugnacité et pour sa ténacité. Elle représente l'énergie du Capricorne. Elle sème ses graines et pourtant elle a la sagesse d'admettre et de comprendre que certaines de ses graines ou de ses actions resteront vaines. La nature est ainsi faite et il faut l'admettre et ne pas relâcher ses efforts pour autant. Il y a des graines que l'on plante inutilement car elles seront stériles à tout jamais et il y en a d'autres par contre qui sont très fertiles. Ce qui importe pour Ada Crab ce n'est pas tant le résultat car elle sait au final qu'elle récoltera et que la rigueur et la discipline que demande l'effort payeront en retour. Mais elle a conscience que certaines graines seront mangées par les corbeaux, corneilles et autres oiseaux, et c'est avec bon cœur qu'elle offre ce supplément de graines. Elle les cache même dans l'épouvantail prévu à cet effet, car elle a observé que les corbeaux, les corneilles aiment nicher à l'intérieur de ce dernier. Ada a compris que dans la vie, il faut faire des compromis. L'être humain ne représente qu'un faible pourcentage de la composition de l'univers et nous devons, pour cohabiter avec intelligence, nous entraider les uns les autres, respecter la nature, mais aussi pourvoir aux besoins des animaux, des végétaux. Ada ici vient nous interroger justement sur nos actions au quotidien. Prenons-nous le temps de nous occuper d'un animal, d'une plante Ou sommes-nous égocentrés Elle vous invite aussi à vous interroger sur votre propre bien-être. Est-ce que sur le plan matériel, vous êtes comblé Ou est-ce que vous appartenez à une classe sociale qui lutte au quotidien pour gagner à la fin du mois une peau de chagrin Faites-vous partie de ces personnes aisées qui entassent leur argent par peur de manquer et qui stockent des réserves à n'en plus finir mais qui ne sont jamais dans le partage, qui cultivent l'individualisme, l'égocentrisme. Ada, quant à elle, sur un plan personnel, prend autant que ce qu'elle donne, de sorte qu'elle reste toujours dans l'équilibre et le respect de la nature. Ada n'est pas une personne égoïste qui a pour objectif d'accumuler, de stocker, d'amasser elle prend uniquement ce dont elle a besoin et s'oblige à redistribuer à ceux qui ont faim le surplus de sa récolte. Ainsi non seulement elle limite le gaspillage mais elle nourrit son âme de bonnes actions et par là même entretient un bon karma. Si vous prenez le temps de regarder l'image, vous apercevrez qu'Ada porte des lunettes et ces lunettes sont composées d'un verre blanc et d'un verre noir comme pour rappeler le symbole du yin et du yang. De plus, dans sa brouette, elle transporte un énorme cucurbitacé vert qui s'harmonise avec le vert de la carte de la rune et le vert de la carte du chaman. La guérison, l'espoir et pourquoi pas le printemps prochain nous réserve certainement de belles surprises. Le prochain message est extrait du jeu des Petites Sorcières de Stéphanie Nani. J'ai tiré la carte de l'abondance. En fait, elle a sauté du jeu pendant que je mélangeais. Alors oui, c'est une redondance, mais un peu de chance et de bonheur ne font pas de mal. Je ne vais pas m'attarder sur cette carte, juste je nous le souhaite de tout cœur. Je vais finir par deux cartes conseil du tarot des sorcières et là encore, le mât, l'âme majeure, a sauté du paquet et j'ai tiré le 4 de denier. Alors le 4 de denier fait écho encore une fois à la sorcière Ada qui nous interrogeait tantôt sur notre comportement. Je pense qu'ici avec ce 4 de denier, nous avons la réponse. Définitivement, nous avons peur de perdre notre confort, nos acquis, notre travail, notre compagnon, nous ne sommes pas du tout prêts à lâcher prise et à partir vers l'inconnu. On a besoin ici d'être rassuré, de stocker, d'économiser et de garder comme on dit une poire pour la soif, ce qui est tout à fait normal. Je ne suis pas en train de nous juger, mais il faudrait, selon les conseils du tarot des sorcières, être plus dans le lâcher prise et la confiance dans l'univers, et à l'image du mât, lâcher de vieilles habitudes pour entamer une nouvelle aventure beaucoup plus nourrissante pour notre âme. Seulement voilà, en toute honnêteté, ce qui est facile à vingt ans est beaucoup plus difficile à 50 ou 60 ans. Je dis 50 ou 60 ans puisque le personnage référent ici est la sorcière Ada et que elle fait partie des seniors. En sachant qu'Émilie Bronte est partie à l'âge de 30 ans, mais elle n'est pas le référent. Pour moi, elle est celle qui délivre la guidance. On a travaillé dur et on s'accroche à nos acquis, à notre couple, à notre confort, même si ce confort et ces habitudes ne nous nourrissent plus. L'habitude a remplacé l'inconscience qui nous guide à vingt ans et le tarot nous conseille ici de faire preuve d'audace, car nous sommes accompagnés par la chance. Inutile de s'accrocher, car pour certains la vie va les pousser à prendre une décision et à recommencer ailleurs une nouvelle vie, en sachant que la sagesse et l'expérience de la vie, elles, ne peut pas être enlevé. La question que nous pose Émilie est a-t-on réellement l'envie et le courage d'allumer ce grain de folie qui réside dans notre cœur? Pour le savoir, je vous invite à choisir une tête de mort. Vous avez le choix entre la pierre de lune bleue ou l'œil de tigre. Ces deux cartes répondent à une question fermée. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et faire votre choix et après je vous donnerai la réponse. Donc le oui se cachait sous la pierre de lune bleue, le non sous l'œil de tigre. Nous sommes arrivés à la fin du voyage avec Emily Bronté. On la remercie pour ses fabuleux messages d'espoir. On lui envoie plein d'amour. Quant à nous, je vous donne rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. Et jusque-là, je vous dis prenez soin de vous. Merci.